Hello! Aujourd'hui, je suis en extérieur et j'étais en train de me faire une réflexion sur ce qui m'entoure et la chance d'être là où je suis et de bénéficier de ce dont j'ai besoin. Je suis dans un parc tout près de chez moi. Les gens viennent marcher, faire du sport, promener leurs animaux. Ou d'autres comme moi, pour cet instant, de juste venir regarder la végétation, méditer en regardant les vagues qui viennent s'écraser sur le sable. Et je me dis que j'ai vraiment beaucoup de chance, en fait, de vivre ça. De vivre simplement le fait de me réveiller le matin, de pouvoir me mettre debout sur mes jambes, de pouvoir marcher, de pouvoir écouter le chant d'un oiseau qui vient me réveiller, et d'ouvrir mon frigo, de trouver trois biscottes pour le petit déjeuner, c'est juste une très grande chance. De pouvoir prendre ma voiture et de constater que j'ai encore un peu de gasoil pour emmener mon enfant à l'école. Et que la chance que l'école soit ouverte pour lui, pour qu'il puisse revoir ses copains, qu'il puisse s'amuser et apprendre de nouvelles choses. La chance de constater que finalement ce qu'on a, qui l'on est, tout ça, c'est apprécier simplement l'amour qu'il y a en nous. Ce même amour qu'on nous apprend nulle part, en fait. On entend souvent dire, oui, mais c'est les parents qui doivent apprendre aux enfants, mais si les parents eux-mêmes ne savent pas comment aimer ou comment s'aimer en priorité, comment ils peuvent transmettre ça à leurs enfants? Et de génération en génération, on se retrouve avec beaucoup de personnes qui parlent d'amour en tout genre et qui finalement ne savent pas trop ce que c'est. Est-ce que quelqu'un peut vraiment savoir ce que c'est que l'amour? Chaque personne est différente, chaque personne vit des choses différentes, a des croyances différentes, ressent des émotions différentes, chacun même perçoit ses émotions de manière différente. Donc, dire à quelqu'un ou à un groupe de personnes qu'on les aime ou qu'on veut parler d'amour avec eux, est-ce que chaque individu va comprendre ce que c'est que l'amour par rapport à la personne qui est en train de le manifester? Ouais, c'est une grande réflexion ce matin et j'avais envie déjà de m'enregistrer pour moi, pour m'écouter. Parce que quelquefois, je me rends compte, ça doit peut-être vous arriver aussi de dire des choses et puis vous dire waouh, qu'est-ce que je viens de dire là? Est-ce que c'est vraiment moi qui l'ai dit? Et puis c'est toujours bien de revenir sur ses propres réflexions quand on les oublie, quand on est dans des moments de doute ou de détresse, de revenir sur des moments comme ça où on n'est plus posé, où on parle de chance et d'amour. En tout cas, je ne sais pas trop ce que vous vous en pensez. Quel est votre point de vue sur l'amour, sur la chance, d'avoir tout ça autour de nous, d'avoir un environnement qui est complètement adapté au vivant, à l'être humain, entre autres. Voilà, je pense que je vais terminer sur cette vidéo de réflexion et je vous laisse vaquer à vos occupations. À bientôt!